Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Brotato. On est toujours en live, on est toujours avec Chobiti. Salut Chobiti. Bonjour le Sim, bonjour tout le monde. Et on essaye toujours de terminer les persos sur la zone de crash. Donc Chobiti veut jouer l'économe cette fois. Et moi... Tac tac tac... Je vais pas pouvoir voler. Non mais du coup il faut que je prenne quelque chose qui matche bien. Donc tu vas on va ramasser des matériaux. Ben ouais, ça fait bizarre à entendre, hein, je suis d'accord. Hein, plus de santé des ennemis, non. Non, bah je vais prendre le marin, les gars. Écoute. Maudire un peu. Ou alors je prends le vampire. Plutôt le vampire. On va essayer de pas maudire. Parce que ça coûte cher de maudire. Allez, on va prendre le vampire. Des dégâts quand il manque de la santé. Du vol de vie quand il manque de la santé. De l'armure quand il manque de la santé. Il faudra pas que je monte mes PV, ni mes dégâts. Ok, intéressant. C'est comme un bébé, mais pas tout à fait pareil. Ok. Du coup, il me faudrait une arme qui attaque vite. Ça, c'est trop long. Eh bien, ça. Plus de matériaux. Je pars sur les critiques. Pas mal les critiques. Ouais, moi je vais partir à la griffe du coup, en critique aussi. Ah bah oui, après un run comme ça, ça fait tout lent, ça c'est sûr. Vitesse d'attaque. Ouf. Alors les augmentations, non j'ai moins 60% de dégâts, oui donc faut pas que je. Pas que je vise des dégâts. Prendre du vol de vie. Ça, c'est du dégât indirect, ça peut être intéressant. C'est très marrant, je trouve ça très marrant le couteau de foudre. Marron, ok. Oui, bah le rebond électrique, il est très, très marrant. Négatif en récolte, sérieux? Ah oui. Pas ouf. Un peu de vitesse d'attaque, ce serait cool. Pourquoi j'ai pris la seringue? Idéal. Réflexe. Ouais, réflexe. Ça-même ne soigne pas de toute façon. Ah, avec le druide, ça aurait pu être marrant comme combotage. Ah bon, quoi? Bah, vu que les consommables, ils font des dégâts, donc t'as moins de vie, donc... Ouais, c'était risqué quand même. Hein. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. N'oublie pas que tu es censé économiser. Oui, je suis censé pas utiliser ma thune, mais c'est tellement dur. Lonmar surveille, il est garant de ta capacité à économiser. Ouais, faudrait pas que je randomise. Ah bah non. T'as randomisé là? Oui, je randomise.
Aïe aïe aïe. Les vampires au corps à corps, je pense que ça va être compliqué quand même, mais ça se tente. La récolte. Récolte. De l'armure. Dégâts non. La dent pointue qui rajoute du vol de vie. Pourquoi pas. Et vendu. Les chances de critique, ça prend, plus ça fait de l'élémentaire un peu. J'avoue que m'empêche, j'ai acheté plus d'objets que toi. Mais non, mais t'es. Enfin, voilà. C'est. Ouais, c'est pour ça que j'y arrive jamais, ce perso, en fait. Enfin, t'as un meilleur budget hein, avec toute ta récolte et tout. PV, 60 dégâts, régénération de PV, ouais, non, y a rien en rapport avec la récolte. Prendre un peu de vitesse. Du vol de vie, un petit couteau. Un fantôme! Fais ce que tu veux. Je prends un fantôme. Je rappelle que plus t'as de matériaux, plus tu te fais de dégâts. Ça, c'est surprenant, dis donc. Je me demande bien à quoi c'est dû. Un fantôme. Non. Saloperie. Non. Il veut pas mourir. Un peu de portée, ça fait pas de mal. Oui, machin. Tu veux revenir, Hermès? Allez. Hermès, tu viens. Allez. Et tes moustaches, là, je vois. Et pour toi. Dis quand t'as fini de boire. Et quand j'ai fini de boire. Alors, on avance. Parce que j'ai pas pris de fantôme. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Oh, ils font mal. Un pont ou un truc en cours. Ah non, non, j'ai rien pris. C'est vrai que j'ai 10 PV toujours. C'est vrai que ça joue un peu. Après, j'ai pris un extraterrestre doux, mais c'est pas. Violent. Non. C'est doux. Ça pique. Faut taper là. Squat. J'allais dire il y a un cadeau, bon je laisse tomber. Un peu de vie ça serait bien en fait. La vie. La régène de PV. Non, du vol de vie à 1. C'est pas ouf. Oh un couteau comme ça, c'est bien ça. Oh. Lame c'est pas dégueu aussi. J'avais oublié que ça faisait du vol de vie la lame. C'est un peu tard.
de la régène, c'est pas... C'est... Je le devis, enfin, je sais pas, c'est quelque chose. Je dis rien. C'est... Bah, tu peux jouer chance et ramasser des consommables. Je veux bien, mais... Faut-il qu'il y en ait ? Armès, tu pourrais arrêter de faire croire que t'es en souffrance, là ? Il est en souffrance. Il veut venir, mais c'est trop compliqué. C'est bien que je joue moitié tourné parce que... Parce que monsieur veut pouvoir grimper sur les genoux. Enfin, regarder mes genoux, mais pas grimper. Ah, il est pas ouf, moi. Non. Tape pour soigner, ouais. Il me manque un peu de... Oh, puis il me coûte, c'est que de la vitesse. J'ai besoin de régène, j'ai besoin de sustain, là, clairement. Ouais, il me fallait un petit boost de PV quand même, même s'il est 25% réduit. La vitesse d'attaque. Ça, c'est cool. Ah, ça c'est cool. 8 PV, bon. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça aussi. Non, j'ai des malus de dégâts. Hein. Des malus de dégâts. Hein. Des malus de dégâts. Ouais, j'ai mon moins 60%. J'ai jamais beaucoup de dégâts avec mes armes. Sauf avec les dégâts indirects, là. Les couteaux de foudre. On joue pas spécialement malédiction. Pas trop, non. Bon, après, elle t'empêche, hein. Ouais, mais c'est pas le but que je sois immobile. Pas avec des lacs de voleur. L'objectif c'est qu'on ramasse des matériaux au maximum pour que tu fasses plus de dégâts. Non, ah, ok c'est bon. J'ai pas encore tout à fait le DPS pour qu'ils ont les dégâts. J'ai fait plein de fois. Et gros, quand t'es au corps à corps, il faut réussir à flirter avec leur ligne de char. C'est bon, là. Bah, je veux dire, même quand j'arrive à les avoir par derrière, il faut que je leur mette 3-4 coups, voire 5 ou 6, quoi. Ah bah après, pour les tuer, c'est encore autre chose. Un peu de chance, allez. Oh! Du vol de vie, oui. Ouais. Pas du tout parti sur le support, mais. Pas me donner des trucs. C'est quand même encore des trucs. Allez, là. Bon, bah, je prends un thé de céleri pour la peine. Alors que j'ai plus d'armes, pourquoi j'ai l'impression. Les gars. Parce que j'ai pris un thé. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, je suis morte.
Non, ça sert à rien parce que je vais prendre des dégâts de toute façon. Ah, c'est tellement dur de pas épuiser ma thune. Ça pourrait être pas mal pour aller avec le couteau. Allez. Pas du dégât lourd en mêlée là, on... par rapport à tout à l'heure. Je suis un vampire, je joue sur la durée. Parfait. La régène de PV non, bah un pour vol de vie alors. Vol de vie, hop. Le don de sang, non c'est de la récolte. Un peu de chance, un peu de récolte. C'est pas si pire là. Ah bah je sais pas, c'est toi qui sais comment t'attaques hein. Bah 0,75 tu vois, je me dis, faut plus que 0,75. Oui. Bah ce sera... Oui, ça va sûrement s'améliorer quand tu les monteras, mais oui. Mais il y a peu d'armes qui attaquent à 0,75. Tu ne joues pas à vol de vie, de toute façon. T'es obligé d'attaquer vite. Ouais, je fais plutôt régène. Bon bah, c'est bon, alors. C'est beau, c'est beau. Ils ont une aura. Quel truc on a qui leur donne un malus? Je sais pas. Cadeau s'enfuit. Ah sérieux, il est mort mais il a pas donné de cadeau. Ah ou je l'ai peut-être ramassé direct. Bah abusé hein, pas de cadeau qui donne pas de cadeau. Bah je crois que si on le tue pas assez vite au bout d'un moment il disparaît. Ah oui, ma vitesse elle est capée à 6. Il faudrait un peu plus d'armes. Thank you.
Hey. On cogne. On cogne, petit vampire. Oh, pas cadeau. Ah. Je vois pas. Ah, si, t'as un gobelin là, ma petite. Wow, wow. On se calme. Comment ? Ça, même si c'est pas ouf. Bon bah je vais améliorer mon bâton d'enroulé, hein, quitte à... Oh, maintenant que tu l'as pris, oui. Tomate. Ah, elle est capée la mêlée, on peut pas aller au-delà de 200 de mêlée, d'accord. Triste ou Nord Tomate Triste. Moi je dirais maîtrise, mais... Ma thune ! On va tuer les tireurs directs, ça c'est pas bon ça. Il faut les empêcher d'apparaître. Bordel, les tirs partout là. Éliminez-les. Oh, je suis morte. Il reste deux. C'est compliqué quand on n'arrive pas à nettoyer les tireurs, c'est vraiment compliqué. Une tourelle médicale maudite. Bah, on dit. Mario, tu vas trouver des armes ou quoi? Oh. Une arme. Et c'est marrant parce que tout à l'heure on jouait tous les deux armes à feu et il nous a donné quand même suffisamment pour... Et là, il nous donne pas ce qu'on veut, ni à l'un ni à l'autre. Ah ouais. Revenez. Reviens. Meurs, créature. Oh putain, je suis morte. Reste 15. 15. C'est bon, 15. 10. Oh GG, PV, j'ai besoin de PV le jeu. Ah, des armes. Et salut Brodaf, bienvenue sur le live, hein. J'espère que tu vas bien. Comment ça se passe ta partie de Echo, Brodaf? T'avais trouvé des gens finalement? Oh! Sachant que ma vitesse est capée à 6. Bah oui, puis tu vas en prendre moins 20 encore là avec le canapé.
va peut-être réussir à faire des dégâts. Elle est où l'économie, hein? Hé, hey, il reste 387 sous dans mon porte-monnaie. Je vais dépenser pour qu'on puisse survivre. Certes. Ah oui, on n'a pas regardé ce qu'il leur donnait, Noah. Mon bâton de randonnée, il... pas ce genre de choses. Je ne sais pas. Non, normalement, il me donne de la portée. Putain, les gros rouges là! Mais crevez les gros rouges! Ah bah non, ils m'ont eu. Bah, tu vas pouvoir répondre à Bourdaf comme ça. Ah bah, écoute, nous ça va. On essaye de pas mourir dans Brotato. Qui n'est pas forcément gagné. Hein. Des poivés ou de la chance? La chance. Donc, du vol de vie. Je ne peux pas vol de vie. Ah, je peux pas la prendre ça. Est-ce que je peux filer un truc? Oh, petite dent, ouais, je prends la dent. Oh, j'ai une sixième arme. Non, par contre, l'ourson, la vitesse d'attaque et de la portée, je prends. Moi, j'essaie d'économiser, mais... En fait, autant j'ai aucun souci à dire au signe « Ah, ma thune, tu la dépenses !» Autant ma propre thune, je peux pas la dépenser. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, faut neutraliser ces tireurs là. Je souviens que si t'apparais sur leur... si tu restes sur leur zone de spawn, ils apparaissent pas, hein. S'ils apparaissent pas, ça fait pas de matériaux à matérialiser. J'ai l'impression qu'on manque d'ennemis. Oh, de thunes. C'est sûr. Oh, oh c'est fort. Ça. C'est pas vraiment le bon moment, mais c'est fort. Mon esquive. Quand même prendre des dégâts. Ah, un couteau de foudre. Enfin. Et un truc comme ça. Ça, c'est pas. Non, je vais pas prendre le fantôme. On n'est pas non plus celui du R. En vrai, j'ai combien de régène? Génère 6 PV par seconde. Oui, bon, si tu veux prendre le fantôme, c'est un bon moment. Ah, j'ai pris le fantôme. Non, il faut quand même... ils sont gros et rouges. Ouais, ceux-là, ils sont relous, j'avoue. Ils sont vraiment costauds. Je veux survivre! En plus, tu dois être toute lente. Ah, mais je suis le super lente! Oui, c'est ce que je viens de dire. Une vitesse! Oh my god! Manon, je veux pas de projectiles. Eh non. Ouh, ça c'est bien.
poisson rouge, hein. Ça peut être cool, un petit poisson rouge. Oh, Vague 19, non, Vague 19, trop de nul. Ouais, du coup, non, c'est nul. C'est nul. Qu'est-ce que tu veux foutre d'un lance-patate ou d'une cyberball, quoi? Ken, ça peut être marrant, je pourrais Ken. Bon, je vais garder le miroir, on verra si il y a un truc bien qui se présente pour la dernière vague. Une seule arme médicale pour avoir un peu plus de vol de vie. Oui. Oh, allez crever. Il manque un peu de défense contre les gros. Ah, les gros là, avec des bulles comme on a, tu les as à l'usure. Hein. Les esquiver. Pas trop boosté mon esquive. Esquiver au skill, oui. Pas, en partant du principe que tu vas tomber sur 10% de chance qu'il ne touche pas, quoi. Oui, mais de toute façon, j'ai genre 3 de vitesse, enfin moins 3, moins 40, enfin je sais pas combien j'ai de vitesse pour que je regarde. C'est pas glorieux. Et ça d'avoir son cul dans le canapé, hein. Oh. J'ai moins de 22. Ah ouais. Oh, cristal. Peut-être pas le truc le plus ouf là, mais... Bon, oh, allez, 16 d'esquive, on prend. Oh. Bon bah... Quoi? Ça sent la difficulté, mais réussit au moins de survivre les 70 secondes. Quoi? Quoi? Un outil, ouais. Quoi? Quoi? Sans outil. T'as pas dit que t'avais jamais joué Vol de Vie? Bon, non, mais ça donnait... 20 d'esquive. Ah, oui. Contre 2 de dégâts en mêlée... Ça doit être le truc du vampire, ça. Mais pas eu, quoi. C'est le monstre avec son petit humain. Passionné. Oh, trop cher. Je vais mis un peu. Bon, des gens. Essayons de tuer des gens parce que je me traîne. Dommage, 8 secondes de la fin, c'est l'échec. Ah, tu cries tellement fort que le micro t'a muté, quoi. Dommage, vous aurez pas entendu le cri du cœur de Chobiti. Ah, dommage, on y était presque. Eh ben écoute, je te propose une petite pause live. On s'arrête là pour cet épisode de VOD. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois mon petit coup d'eau. Ça habituel. Déception. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye les gens.